faut toujours avoir un masque. Je suis avec mon garçon. Allô, allô. Mon associé. Donc là, on est arrivé à Ikea. Les tapis de la salle de bain sont spéciales. C'est à 9 $. C'est vraiment doux. Oh my god. C'est doux, hein, pour la salle de bain. Ici c'est Home Sense. Toujours de belles couleurs. Oulala. Ouloulou. Allez, moi je vais super bien. Ici c'est Sarah, la maman de garçon. Bienvenue encore dans ma nouvelle vidéo haul décoration. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle dans ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de commenter et pourquoi pas de partager aussi. Moi aussi dans mes réseaux sociaux, là où je suis active tout le jour. Donc là je vous amène les articles, les choses que j'ai achetées. Hier je suis allée à Ikea, aussi je devais aller à Boucler, mais c'était quand même loin de là où j'étais. Donc je me suis dit pourquoi pas aller à HomeSense. C'est bon aussi, j'aime leur déco. Je vous montre ce que j'ai acheté parce que j'ai voulu quand même changer des petits trucs, hein, des petites choses, des petites déco dans mon salon, dans la salle à manger. Aussi je voulais acheter des petits bacs de rangement pour la chambre de mes enfants. Donc je vais vous montrer ce que vraiment j'ai acheté, hein. Ce sont des choses que je voulais vraiment. Donc c'est parti, donc restez avec moi. Pour commencer, il y a des choses que j'ai acheté chez Ikea. Donc pour mon salon, j'ai acheté ces coussins. C'est tellement doux. J'ai pris deux comme ça. C'est pour mon salon, pour les chaises. Ensuite, j'ai pris ces tapis pour la salle de bain. C'était en spécial, c'était à 9 $, les amis. Donc là, je pense que je vais le mettre dans la salle de bain principale. Toujours chez Ikea, j'ai pris ces paniers de rangement pour mes deux plus jeunes garçons. Donc, c'était à 19,99 $. J'ai beaucoup aimé, hein. C'est aussi gros, donc j'ai pris ce panier. Ça, je l'ai pris à 6 $. Donc j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des petits roues comme ça. Hein. Quand ils font leur rangement, là, ils peuvent rouler pour ramasser leurs trucs. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des petits roues. C'était juste à 6,99 $. Toujours chez Ikea, j'ai pris ces bols pour ranger vos trucs, hein, que vous voulez mettre dans le frigidaire. Il y en a 17 dedans, je l'ai pris à 5,99 $, les amis. Hein, chez Ikea, je l'ai pris là-bas à 5,99 $. Il y en a 17 dedans, différentes tailles. Donc, c'est vraiment intéressant. Aussi, j'ai pris ces petits paniers pour ranger vos sacs réutilisables. Je l'ai pris chez Ikea toujours pour ranger vos sacs réutilisables. Je vais essayer de fixer pour vous montrer, hein. J'en avais avant, mais c'était brisé. Puis là, j'en ai trouvé une autre chez Ikea. Donc, je vais juste essayer de le fixer. Donc, je vais le fixer. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est vraiment intéressant pour mettre vos sacs réutilisables dans la cuisine, en dessous de l'évier. Vous les collez là, à l'intérieur. Voilà. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, vous enlevez ces stickers. Puis là, vous collez à l'intérieur de la porte de l'évier. Juste en dessous.
Je l'ai pris à 2,99$, les amis. Ces pots de fleurs. Ouh. Écoutez, les filles, là, j'ai beaucoup aimé. Ok. C'était à 29,99$. Je l'ai pris à 4,99$. Hein? C'était en spécial. J'étais comme, oh my god, c'est tellement beau. Donc, c'est vraiment artificiel. Hein? Donc, je l'ai pris chez Ikea aussi. Les coussins que j'ai achetés à HomeSense, ces deux coussins, je l'ai acheté à 15$. C'est en spécial. Je l'ai acheté à 15$, les amis. C'était en spécial. À 15$. Ok? Donc là, c'est toujours pour mon salon. Ensuite, pour ma salle à manger, j'ai acheté ces petits plateaux pour ma salle à manger. Donc, pour mettre des petites décorations ici. Ouais, je l'ai acheté à HomeSense aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu ce petit plateau. Donc, j'ai pris ça pour la salle à manger. Donc, c'est beige et gris. J'aimerais changer un peu là, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ah oui, pour mettre dans les centres de la salle à manger. Donc je l'ai pris. Donc je vais mettre ça en premier. Ensuite, je vais mettre ces petits plateaux. Ok, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc avec des décos. Enfin, dessus, je vais mettre ça. Ensuite, toujours à HomeSense. J'ai beaucoup aimé. Ça brille. Je pense que je vais le mettre dans la salle à manger. Je l'ai pris à 12$ à HomeSense. J'ai beaucoup aimé quand j'ai vu ça. J'ai pris ces deux petites lettres pour mettre la J qui est un S. Donc, juste pour la déco de sa chambre, de mon plus vieux. Ça, je l'ai pris à 7$. Ça aussi à 7$. Donc, toujours à HomeSense pour la déco de sa chambre. Il le voulait tellement l'acheter avec lui quand j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté ça aussi. Pour mettre ça, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Mais je veux voir. Quand je vais commencer à décorer là, je ne sais pas où je vais le mettre. Mais je veux voir. Ok. C'est joli aussi. Je l'ai acheté à 10$ à HomeSense. Donc, de déco muraille. Hein. Donc ça va vraiment marcher avec ma déco de la maison. Je l'ai acheté à 20$ à HomeSense toujours. Il y a des belles choses hein, à HomeSense, surtout pour la déco là. Il y a de belles choses là-bas que je trouve pour la déco de la maison. Ensuite, j'ai pris les diffuseurs de parfum. Donc ça sent bon. Ça sent bon. Je vais chercher où je vais mettre ça, peut-être dans la salle de bain, peut-être dans la salle de bain principale ou dans la toilette des invités. Je ne sais pas encore où je veux le mettre, ce parfum, pour la maison. Pour la salle de bain, oulala, j'ai pris ces cadres ici, ces tableaux ici. Donc, je l'ai pris à HomeSense toujours. Ça, je vais le mettre dans la toilette des invités, ici en bas. Ça, je vais le mettre en haut, dans notre salle de bain, la salle de bain principale. J'ai acheté ces tapis ici pour faire sécher mes verres et mes tasses. C'est pour la cuisine. Hein? Donc, j'en ai en rouge, donc... j'ai voulu changer, donc j'ai pris noir et blanc. Donc juste pour la cuisine, je l'ai pris à 5$, toujours à HomeSense, 5$. Tous ces bouquets de fleurs séchées pour rajouter hein, dans mes foyers. Il y a un peu de rouge, il y a du beige aussi. Donc c'est vraiment ma couleur préférée. Hein. Cadre que j'ai pris à HomeSense toujours,
Donc j'ai beaucoup aimé la couleur, je trouve que ça va vraiment matcher avec ma déco. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous ai tout montré, j'ai rien oublié. Que c'est tout pour aujourd'hui les filles, je pense que je vais faire une petite vidéo aussi, hein. Ok, prochainement, vous montrer le résultat final de ma déco. Donc, je pense que cette vidéo vous a plu, ça vous a donné des idées quand même. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et pourquoi pas de partager aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bisous! Bye!